Au Québec, le nombre de jeunes trans augmente et les listes d'attente des cliniques spécialisées s'allongent. 8 mois à Meraki, 1 an à Sainte-Justine. Avec ma docteur. On va ouvrir votre outil, si ça ne vous arrive pas. J'ai quelques petites informations, mais il m'en manque un peu. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre, il y a une autre option, le privé. Tu vois ici, il y a un cabinet de sexologue et pour 115 $ on offre une consultation. Et à la fin de la consultation, on peut avoir une lettre de recommandation pour de l'hormonothérapie. Ça dit que ça peut prendre une séance ou deux pour avoir la lettre. C'est au privé. On a reçu le message d'une maman qui nous dit que sa fille lui a parlé de ce médecin-là. Cette omnipraticienne voit le patient et prescrit sans référence d'un autre professionnel de la santé. La clinique est privée. C'est le patient qui paye. La pharmacie avec laquelle... C'est là que nous avons reconduit Sacha, interprétée par une comédienne de 14 ans. Sacha préférait y aller tout seul, c'est correct. Elle dira au médecin qu'elle s'identifie comme trans. Voilà, je vous donne ça, et un crayon ici. Vous pouvez passer à travers le document, initialer où vous devez, signer où vous devez et tout. Elle doit lire et signer un formulaire de 7 pages qui décrit les effets secondaires, parfois permanents, de la testostérone avant d'entrer dans le bureau de la médecin. C'est la première fois que cette médecin voit la patiente. Elle entre rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que tu me disais un peu l'enfant, l'enfant depuis quand que tu n'étais pas dans mon corps? C'est comme l'enfance, plus à la puberté? Sacha répond qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle se faisait vomir à l'âge de 12 ans. Ma mère, elle m'a pognée. C'est ça qu'elle m'a amenée voir un psychologue. Puis c'est là qu'eux, ils ont dit que j'avais des troubles alimentaires. Puis moi, je me disais que ça pouvait pas être des troubles alimentaires, ça faisait pas de sens en ma tête. Mais à présent, je suis tombée sur une vidéo d'une personne trans, justement, qui parlait qu'elle avait des troubles alimentaires, mais qu'en fait, c'était parce qu'elle était comme pas dans le bon corps. Mm-hmm. Je me suis vraiment, à ce moment-là, comme reconnue dans la personne. La docteure lui demande ensuite si elle a l'appui de ses parents. Famille, là, ça, ils ont compris un peu ce qui se passe. Ouais. Est-ce qu'ils savent que tu es ici aujourd'hui? Ouais. Ouais. À 5 minutes de la consultation, elle aborde la question des chirurgies. Est-ce que tu considères des chirurgies dans le futur? Des chirurgies? Oui. Non. Le mastec, le soutenir, le chest. Oui. Il y a d'autres chirurgies qui existent, c'est dans l'utérus, dans le fond, avec des ovaires. Fait que dans le fond, c'est possible d'enlever si quelque chose qui ne peut pas causer de la dysphorie. La testostérone peut rendre une femme infertile. Le sujet de la fertilité fait l'objet d'une question. Est-ce que la fertilité, je comprends que c'est loin de faire tout droit, la fertilité, mais la fertilité, c'est pas que tu m'as conservé avant de commencer. Non, je me suis toujours dit que je voulais pas d'enfant, là, non. Et finalement, à moins de 9 minutes de consultation... Dans le fond, elle avait que moi, je traite tout quand même avec les hormones aujourd'hui, OK? Parce que la logique, c'est que, dans le fond, il n'y a rien dans ton village pour montrer que tu as envie de vivre dans le fond. Ils ont commencé à une dose, c'est pas une dose, par un intermédiaire entre aveugle et... OK. La consultation aura duré moins de 17 minutes. Les effets secondaires de la testostérone n'ont pas été abordés, ce qui peut sembler surprenant. Confrontée à ce fait, la médecin nous a répondu que une consultation médicale ne s'évalue pas en termes de durée, mais plutôt en termes de qualité de l'échange d'informations. Les transitions médicales ont lieu de plus en plus vite avec des ados de plus en plus jeunes. Ailleurs dans le monde, on en appelle à la prudence. Québec a nommé un comité des sages. Ici, le débat reste à faire. Dans le contexte de l'identité de genre, ce que demande et ce que dit le patient et ce que postule le patient est devenu inquestionnable. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une perte de confiance dans les institutions, une perte de confiance dans la médecine.